avec Rongier. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ils obtiennent la touche. Long ballon dans le sens du jeu. Le Paris Saint-Germain qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Mbappé! Super parade de Mandanda. Trautmann. C'est joué long. Thauvin. Oh, le bon ballon! Allez, jusqu'au bout! Oh, quel bel arrêt! Et voilà une façon de faire briller les gardiens. Premier corner dans cette rencontre. La tentative. Ça joue long vers l'avant. Faut tirer là. Ouf, il s'en sort bien là d'un cheveu. Il tente de se dégager. Le Paris Saint-Germain qui récupère ce ballon. Rongier. Di Maria. Bien, la profondeur. Mbappé. Sanson. Et si aucun but n'a été marqué, c'est surtout par manque d'efficacité. Attention, la frappe. Dommage. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. La bonne intervention. Il cherche la profondeur. Il peut y aller. Il frappe. Et le but. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Voilà typiquement le jeu. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Thauvin. Il est la frappe. L'égalisation de l'Olympique de Marseille. Quelle intelligence dans la finition. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. C'est joué dans l'espace. Neymar qui sort de la tête. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Super. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Partout, c'est un score qui mélange le suspense pour la seconde période.
Cette équipe est vraiment à l'image de ses supporters, passionnés. On en redemande en deuxième période. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, hein, partout. La seconde période a donc déjà débuté. Il allonge le jeu. Payet ! Il prend sa chance. Oh, mais quelle parade ! Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Bien servi. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ce sera une remise en jeu. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Des tribunes bleues et grenat, un hymne qui retentit. Pas de doute, on est dans un des temples du football, au Camp Nou. Et c'est donc parti. Quelle lecture du jeu. Et il cède sous la pression. Il a stoppé l'attaque adverse. Le bon jaillissement. Il choisit la profondeur. Oumtiti, belle intervention. C'est joué dans l'espace. Il décide d'allonger le jeu. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Le FC Barcelone, qu'on retrouve aujourd'hui avec son style de jeu particulier, vous me disiez, Darren. La grande force de cette équipe, c'est son jeu en passe courte.
Mais s'ils peuvent jouer en une touche, c'est surtout parce qu'ils ont toujours un ou deux partenaires qui se libèrent systématiquement. C'est bien donné. Xavier Roberto qui récupère ce ballon. Le FC Barcelone qui nous fait un peu du tiki-taka aujourd'hui. Oui, il part pour aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas faux. Moi j'aime bien ce jeu basé sur la possession, quand le ballon circule vite et bien. C'est presque hypnotisant. Allez savoir, Darren, si ça se trouve, ils essayent justement d'hypnotiser l'équipe adverse. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Dans la profondeur. Le centre devant. Le coup de tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Umtiti. Sergi Roberto. Dembélé. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coup. Oh, la frappe! Yes! Oh, le but pour l'Olympique de Marseille! Yes, 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 yes! L'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille! C'était une volée extraordinaire d'équilibre. Oh là là, c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Et ça fait donc 1-0. Il mène au score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Bonne interception, il y avait danger. Et ils obtiennent un corner. Ce sera le premier corner du match. Sakai. Thauvin. Il allonge vers l'avant. Oh, un bon centre devant le but. Il est là pour dégager. La bonne intervention. Sergi Roberto. Vidal. Une demi-heure de jeu déjà écoulée. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à l'entraînement. Ça fait donc 1-0. Le FC Barcelone qui essaye de construire. Attention, la frappe! Un grand match, ça ne passe pas loin. Allez, essayez d'être précis, toucher un coéquipier. Et ce corner à la rémoise. Peut-être une occasion pour Messi. Trautmann, qui est récompensé de son pressing. Messi. Et le danger est écarté. Il se rattrape bien. Piqué. Le FC Barcelone, qui cherche l'étincelle. Sergi Roberto. L'Olympique de Marseille qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Jordi Alba. Dans la profondeur, bien vu. Pour Sakai. Bien, la profondeur. La bonne interception. Jordi Alba qui cherche la profondeur. Un long ballon vers l'avant.
Oui, bonne intervention de la défense. Umtiti. Peut-être une occasion pour Griezmann. Et ça peut aller au bout. Dembélé. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. L'Olympique de Marseille qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Le ballon dans la profondeur. Dans l'espace. Passe interceptée. La passe dans la profondeur. Quelle occasion, attention! Oh oui! Le break est fait, deux buts d'écart désormais. Tout seul, face au gardien, l'issue était fatale. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Et le doublé. L'Olympique de Marseille vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Quelle solidité. Messi. C'est un beau ballon. Oh, l'occasion. Ah, il manquait pas grand chose là. Et ben dis donc, c'était chaud. Peut-être une occasion pour Payet. Le bon dribble. Il progresse encore. C'est centré. Et le tir. C'est joué long. Dembélé. Je ne sais pas ce que l'entraîneur leur a dit à la mi-temps, mais pour l'instant, ça marche. La passe en profondeur pour Suarez. Ouf, un peu d'air. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Non, ça manque d'application. Sakai. Long ballon dans le sens du jeu. Strootman. Ce ballon bien dosé. Thauvin. Il y a peut-être un coup à jouer. Umtiti qui n'a pas cédé dans ce duel. Ce sera une touche. Ça joue long vers l'avant. Ça joue à gauche. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Messi. Il joue en profondeur. Avec Dembélé. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Il y a danger. Ça ne passe pas. Occasion et c'est intercepté.
le gros dégagement. C'est dégagé loin. Il allonge vers l'avant. Oh, voici Thauvin. Un ballon intéressant. Ça ne passera pas. Nelson Semedo. Long ballon dans le sens du jeu. La passe en profondeur pour Suarez. Dégagement le plus loin possible. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. C'était une bonne intervention. C'est joué long. Le petit 1-2. Sarr pour le centre. L'interception, bien joué. C'est joué long. Ce contre peut très bien aller au bout. Messi. Messi. Qui file, plein axe. Ouais, il paraissait bien seul aussi. Il s'impose physiquement dans ce duel. La longue passe. S'il le trouve. Oh, Luis Suarez. Et c'est dégagé. C'est récupéré. Umtiti qui cherche la profondeur. Oh, quel caviar! C'est joué dans la profondeur. Barcelone manque un peu d'inspiration là. Les joueurs font bien tourner le ballon, mais ils ne trouvent pas la faille. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Messi! Et non, hors-jeu. Il multiplie vraiment les interceptions, ça défend très bien. Umtiti. Messi. Il cherche son coéquipier. Mandanda qui remporte son duel. Et il perd l'équilibre. Dans la profondeur. Interception, c'était chaud. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Une occasion pour Messi. C'est bien intercepté. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement, elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses, Darren, comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.